Bienvenue dans Culturama, l'émission qui parle de culture! Je vais parler d'une série qui va sûrement rendre nostalgique beaucoup d'entre vous. En tout cas, ceux qui ont un peu plus de 20 ans. Déjà. Ceux qui ont regardé l'excellentissime trilogie du samedi qui était diffusée sur M6 à Sa grande époque, c'est-à-dire euh, euh, avant que, euh, à l'époque où c'était encore une chaîne de jeunes et avant que ça devienne une chaîne de vieux. Voilà, <laughs> en gros. Pour les autres, il faut savoir que la trilogie du samedi, c'était un concept au programme qui consistait à mettre trois séries américaines du moment qui fonctionnaient super bien aux États-Unis. Mais pas avec 2-3 ans de retard. Genre, elle commençait maintenant, et, euh, et peut-être un an après, on avait la chance de les, de les avoir en France. Donc c'était ce, ce genre de programme euh, qui mélangeait habilement euh, séries euh, fantastiques, science-fiction, action et horreur. Globalement. Enfin, horreur, pas trop trop non plus. C'était dans la limite, puisque c'était quand même des séries familiales. Donc c'était pas des séries. Euh, par exemple, on n'aurait pas vu des séries comme euh, American Horror Story, même si ça n'existait pas à l'époque, dans dans ce genre de programme. On n'aurait pas vu des séries comme The Walking Dead. Non, ça aurait été impossible, inenvisageable. Par contre, euh, on a vu Buffy contre les vampires, voilà, dans la trilogie du samedi, qui mélangeait habilement le fantastique et l'horreur. C'est donc dans ce programme que nous avons découvert d'excellentes séries comme Le Caméléon, The Sentinel, Profiler, Buffy contre les vampires, comme je l'ai dit, euh, Smallville, et puis euh, la série dont nous allons parler aujourd'hui. Bah, celle-ci, quoi! Charmed! Charmed est une série américaine de 8 saisons, formant ainsi un groupement de 178 épisodes de 45 minutes environ chacun. Elle a été créée par Constance M. Burge et euh, les actrices principales, puisque c'est des actrices. Euh, c'est donc Ollie Marie-Combs, Alissa Milano, Rose McGowan et Shannon Doherty. Cette série a été produite par Aaron Spelling. Alors, Aaron Spelling, euh, si, si, vous avez bien entendu le mec, c'est le mec qui était derrière Beverly Hills. Euh, mais pas que. Euh, disons que Aaron Spelling, en tant que producteur, euh, bah, il a produit, bah, comme je l'ai dit, Beverly Hills. Euh, il a produit Starsky Hutch, il a produit euh, le Drôle de Dame, il a produit Hooker, il a produit... Euh, euh, quoi d'autre aussi pour l'amour du risque, L'île fantastique, euh, Dynastie, Melrose Place, C'est à la maison, Sunset Beach. Donc on peut dire qu'on en a bouffé du hard spelling en France, mais pas autant qu'aux USA. Hein. Les productions spelling, on en a quand même assez bouffé en France, surtout sur TF1. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez le lien entre Alyssa Milano? Et Shannon Doherty, mis à part le fait qu'elles aient joué tous les deux, toutes les deux dans *Charm*, Eh bien, il faut savoir que les deux ont joué dans un soap opéra qui est produit par Aaron Spelling. Enfin, qui a été produit, parce que les deux se sont arrêtés, les deux soap opéra Shannon Doherty était dans Beverly Hills, où elle jouait le rôle de Brenda. Et Alyssa Milano jouait dans Melrose Place, où elle jouait le rôle de Jennifer Mancini. Ce qui est amusant, c'est que Melrose Place, c'est la série dérivée de Beverly Hills. Voilà, c'était la petite anecdote, presque un fun fact, mais euh, bon, j'ai décidé d'ailleurs de mettre des fun facts dans, dans, à la fin de la, de la vidéo. Donc, maintenant, Charmed, et de quoi ça parle Charmed raconte l'histoire de trois sœurs. Pru, piper et phoebe halliwell qui découvrent qu'elles sont les sorcières les plus puissantes du monde tout commence avec phoebe qui trouve un grimoire magique nommé le de livre des ombres et lit l'incantation qui active leur pouvoir chacune en est dotée et elles doivent les utiliser pour défendre les innocents de san francisco contre les démons sorciers magnifiques et autres créatures du monde souterrain au casting de cette série, nous y retrouvons Holly Marie Combs dans le rôle de Piper Halliwell, Alissa Milano dans le rôle de Phoebe Halliwell, Rose McGowan dans le rôle de Paige Matthews, Shannon Doherty dans le rôle de Prue Halliwell, Brian Cross dans le rôle de Leo Wyatt. Dorian Gregory dans le rôle de Darren Morris et Julian McMahon dans le rôle de Cole Turner pour les personnages les plus importants de la série. On peut compter que la série contient 11 arcs sur 8 saisons. Et attention les mecs, ça va spoiler! Arc 1, le pouvoir des trois. Il constitue la découverte des pouvoirs des trois sœurs ainsi que leur habilité à s'en servir et à essayer de garder une vie privée aussi normale que possible. Il englobe globalement les deux premières saisons de la série. Arc 2, la source. Il se concentre sur la découverte du monde souterrain par les sœurs Halliwell, qui apprennent l'existence d'un démon suprême, la source. Il débute à l'épisode 15 de la saison 2 et se termine au début de la saison 3 avec l'arrivée de Cole Turner. Arc 3 Balthazar et la Triade. Il tourne autour d'un groupe de trois puissants démons, la Triade, chargée de les éliminer. Les sœurs décident alors de mener un combat contre la Triade et contre la Source. Cet arc englobe également l'intrigue au cours autour de Cole Turner qui durera toute la saison 3. Arc 4. Paige Matthews. Il débute après la mort de Prue tuée par Shax. Piper et Phoebe apprennent l'existence d'une quatrième sœur, Paige Matthews. Ce quatrième arc scénaristique se concentre sur la bataille des sœurs pour éliminer la source du mal. Il prend donc place dès le début de la saison 4 jusqu'à l'épisode 13 de cette même saison. Arc 5. Cole et Phoebe. Il débute à l'épisode 14 de la saison 4 et se termine à la fin de cette même saison. Cet arc se concentre sur la relation de Cole Turner, devenu la nouvelle source du mal, et de Phoebe Halliwell, qui se marie avec lui. L'histoire va devenir plus sombre et se concentrer sur cette relation de couple. C'est l'arc qui se rapproche le plus de la relation Buffy-Angel, mais on en reparlera plus tard. Arc 6, retrouvailles familiales. Cet arc est à la suite directe du précédent. Il est très court et débute au début de la saison 5 et se termine lors de l'épisode 12 de cette même saison. L'histoire se concentre sur la fin de la, de la relation de Cole Turner et de Phoebe. Et sur la folie qui s'empare du démon qui n'hésite pas à s'en prendre à son ancienne famille dans l'espoir de reconquérir Phoebe. Arc 7. Wyatt. Il se concentre sur l'enfant de Piper et de Léo. Les sœurs doivent protéger le bébé contre les démons qui veulent l'éliminer, lui voler ses pouvoirs ou le rendre démoniaque. Cet arc débute à l'épisode 13 de la saison 5, Envoûtement, pour, pour donner un début approximatif, et se termine à la fin de la saison 6. Arc 8, Les Avatars. Un arc encore très court qui tourne autour de l'apparition de puissants êtres magiques, les avatars. Ces derniers veulent convaincre Léo et les Sœurs Alliwell de les aider à instaurer l'utopie, un monde sans violence et sans combat. Mais ce monde n'est pas aussi idyllique qu'il semble l'être. Cet arc débute dès le premier épisode de la saison 7 et se termine à l'épisode 13 de la même saison. Arc 9, Zanku. Arc qui commence à la fin de l'arc précédent. Il débute à l'épisode 10 de la saison 7, alors que les avatars se terminent à l'épisode 13 de cette même saison, avec l'apparition du démon Zanku. Ce dernier est bien décidé à éliminer les Sœurs well, et Zanku est le premier démon à rendre les sorcières aussi vulnérables. Il se termine à la fin de la saison 7. Arc 10. Une nouvelle vie. Cet arc est le plus court de la série. Il se concentre sur les sœurs Liwell et leur aptitude à se faire passer pour mortes tout en gardant leurs habitudes de vie d'avant. Cet arc débute dès le premier épisode de la saison 8 et se termine à l'épisode 5 de la même saison. 5 épisodes pour un arc, c'est vraiment très très court. Mais après, c'est comme ça. Arc 11. Final. Cet arc concerne la mort de Léo et sa résurrection qui est liée à l'ultime menace. Billy et sa sœur disparue Christy, ainsi que les sœurs Liwell doivent accomplir leur destinée. Cet arc débute à l'épisode 6 de la saison 8. Billy commence à vouloir chercher sa sœur et se termine à la fin de la série. L'un des thèmes les plus récurrents dans la série et la bataille des sœurs Aliwell pour essayer de vivre une vie normale, malgré le fait qu'elles soient des sorcières, qu'elles combattent des, des démons, qu'elles combattent des sorciers, euh, des sorcières folles aussi parfois. Euh, elles n'ont pas, elles ont jamais affronté Harry Potter, mais ça aurait pu. <laughs> je sens, je sens que les grands fans d'Harry Potter vont me tomber dessus. Euh, mais je vous expliquerai une théorie que j'ai euh, entre Harry Potter et Charmand qui vaut ce qu'elle vaut mais qui peut éventuellement avoir un lien plus ou moins voilà je suis pas non plus expert en harry potter donc euh, c'est une petite théorie gentille que, que j'ai mis au point le fait de devoir garder leur identité secrète est un lourd fardeau qui se répercute parfois même sur leur vie personnelle et sur leur vie professionnelle et crée parfois d'énormes tensions entre elles et même parfois avec leurs propres amis hein. D'où côté vie euh, personnelle. Mais comme je l'ai dit aussi dans la vie professionnelle, il va y avoir des soucis, il va y avoir des problèmes. C'est un petit peu ce qui va pousser plus ou moins Piper à un moment donné à changer de... Pas changer de métier réellement, hein, elle va rester dans, dans, dans son domaine, mais à prendre un peu plus les devants et surtout à s'affirmer en tant que femme. Je ferai un petit débat là-dessus parce qu'il y a un petit cas de choses, il y, a une... il y a une news qui est sortie il y a quelques mois et c'est un peu pour ça que je fais cette vidéo d'ailleurs. Peu de gens connaissent leurs secrets et les aident de façon régulière. Le plus connu d'entre eux, bien évidemment, c'est Léo Wyatt. Alors Léo Wyatt, c'est un petit peu normal qu'ils connaissent leurs secrets puisque c'est leur être de lumière, c'est un petit peu leur ange gardien, on peut dire. Euh, c'est celui qui va euh, les aider. Et globalement, c'est aussi celui qui va épouser l'une des trois sœurs. Donc globalement, il est un peu normal qu'ils soient au courant de tout ça. Quoique, euh, quand on y réfléchit un petit peu, le père euh, des euh, des sœurs Aliwell n'était pas du tout au courant que sa femme était une sorcière. Et que sa belle-mère aussi. <laughs> Souvent on dit ouais, ma belle-mère, c'est une sorcière. Bah là au moins il aurait pu le dire parce que c'est vrai. <laughs> C'était vrai. Comme je l'ai dit, Léo, euh, c'est euh, un. C'est un. C'est un ange. Voilà. C'est un être de lumière. Euh, Je pense qu'ils ont pas choisi ange parce qu'un ange c'est euh, asexué par définition, ça n'a pas de sexe. Euh, or lui, il a un sexe puisqu'il va quand même avoir deux mômes. <laughs> Donc euh, ouais, euh, les aides de lumière ont des sexes et ils les laissent pas dans leurs pantalons. <laughs> c'est un truc qu'on comprend. Alors c'est pas une série parlant de sexe, clairement. Voilà, y a y a pas de y a pas de dent, c'est pas c'est pas basé là-dessus. Hein. Mais quand même, hein, c'est des sacrés cochons. Hein. <laughs> C'est des sacrés cochons ces mecs-là. Donc les êtres de lumière sont des anges qui ont été envoyés par les fondateurs et les fondateurs. C'est un peuple de grands sages, euh, pas si sages que ça quand on regarde un petit peu la série, euh, qui sont là justement pour envoyer des sortes d'anges pour protéger euh, les sorcières, pour justement euh, et ben les euh les empêcher de bah, de mourir ou, ou, ou tout simplement euh, ou tout simplement essayer ils peuvent les guérir par exemple ce genre de choses euh, ou les guider aussi hein, ils font aussi l'objet de, de guides pour euh, pour les sorcières et les sorciers aussi je crois je crois euh, ils ont aussi leur opposé ce sont les êtres des ténèbres les êtres des ténèbres en fait ils décochent une sorte de souvent des sortes de flèches euh, à l'arbalète <laughs> et quand il touche un être de lumière un ben, être de lumière meurt lentement un peu comme un cancer euh, c'est beau <laughs> c'est beau <laughs> c'est beau vivent les séries américaines voilà bon ça ça essaye de mettre un petit peu de tension un petit peu de drame mais c'est un peu loupé on va dire alors parmi les autres personnages qui découvrent les secrets des sœurs Alliwell, euh on peut y trouver le personnage euh, d'Andy trudeau qui était euh, inspecteur de police. Euh, qui est le meilleur ami euh, de Prue, qui est l'une des sœurs Liwell, jouée par Shannon Doherty, euh, et qui sera aussi euh, son amoureux secret, plus ou moins. Mais il va vraiment tout faire pour découvrir euh, le, ce qu'elle cache. Voilà pourquoi, euh, pourquoi elle se conduit si bizarrement, euh, pourquoi elle est obligée de partir comme ça en coup de vent, sans sans prévenir, sans rien expliquer. Il va vraiment creuser, 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 essayer de chercher. Il va te trouver, hélas. On a aussi son équipier, euh, Daryl Morris, euh, qui là, par contre, va carrément devenir l'aide. Voilà, c'est lui qui va les couvrir, c'est lui qui va les aider, euh, quitte à mettre sa carrière en, en, en jeu, en, en danger pour elle, quoi. Donc c'est vraiment un bon ami, ce, ce Daryl Morris. Euh, je crois que moi, j'aurais jamais fait ce genre, de, ce genre de choses. On a aussi le demi-démon Cole Turner, joué par euh, l'excellent Julian McMahon. Euh... Voilà, rien à redire. Euh... J'en parlerai tout à l'heure. Mais si vous connaissez un petit peu l'univers de Buffy contre les vampires, c'est un petit peu le Angel de Buffy contre les vampires. Et Phoebe, c'est un petit peu la Buffy. Voilà. Mais en mal fait. <laughs> c'est une version mal branlée. Pourtant, c'est le personnage, pour moi, qui est le plus intéressant avec Piper. Et aussi le personnage de Paige qui est vraiment euh, intéressant, qui est joué par Rose McGowan. Mais ça, il faut attendre la saison 4, avant de voir apparaître le personnage de Paige. Alors que Cole Turner apparaît dans la saison 3. Nous avons aussi le mystérieux Chris Perry. Nous avons aussi les deux sœurs Billy et Christy dans la dernière saison. Euh, Billy et Christy Jenkins, qui sont donc au courant. Euh, et bien sûr, Henry Mitchell, le, le mari de, de Paige. On a euh, Coupe qui est euh, Cupidon. Ne voilà. vous vous demandez pas pourquoi il y a Cupidon dans cette série, mais il y a Cupidon, voilà, qui va devenir le mari de Phoebe à la fin, voilà. Je, vais, je vous ai tout spoilé, bien fait. Vous avez eu qu'à regarder la série, <laughs> c'est tout. D'ailleurs, il faut noter que le pouvoir des sorcières va évoluer en fonction de, de la série et en fonction des besoins, je pense aussi. Et euh, surtout, il y a d'autres pouvoirs qui vont se rajouter, quelques petites choses. Et eh ben euh, voilà, je vais vous expliquer tout de suite les pouvoirs des sorcières, parce que c'est assez compliqué tout ça. En effet, Piper aura le pouvoir de l'immobilisation moléculaire. Cette faculté aura une évolution au fil du temps. L'immobilisation moléculaire sélective, à partir de la saison 2. Elle permet de libérer certaines pièces, personnes ou objets dans la zone figée... De figer que quelques innocents, de libérer seulement certaines parties du corps d'un être figé ou encore d'altérer le mouvement moléculaire. Piper a utilisé cette technique pour immobiliser un poignard qui se dirigeait vers elle et quand elle a libéré l'objet de son pouvoir, celui-ci est tombé au sol au lieu de poursuivre son mouvement d'origine. Durant un voyage dans le futur qui amène Piper et Prue en 2009, oui, je sais. Oui, bon, ça s'est passé aujourd'hui, mais à l'époque, c'était voilà, 2009, c'était le futur. C'est un peu compliqué. Dans ce futur-là, de Harty était pas encore partie de la série. C'est voilà, c'est un futur alternatif, on peut dire. Voilà. Donc, dans ce futur alternatif, elles ont découvert que le pouvoir de Piper avait évolué. La sorcière était en mesure de figer un pâté de maison tout entier. Y compris les oiseaux volants dans l'air. Au lieu d'un petit groupe de personnes et d'objets, Piper était capable de figer tout ce qui l'entourait. C'est ainsi qu'est née, dans la saison 9, qui est sortie uniquement en comics, l'immobilisation moléculaire évoluée. Uniquement disponible dans les comics de la, dans la saison 9. La capacité à immobiliser les choses sur de longues distances jusqu'aux gouttes de pluie. Mais à partir de la saison 3, Piper a un second pouvoir qui est la combustion moléculaire. Que ce nom est super cool et aussi cool que ce qui se passe en fait. C'est la capacité à accélérer le mouvement des molécules à un tel point que les cibles visées explosent. De leur côté, les autres sœurs ne sont pas en reste. Euh, 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 euh enfin, euh, presque. Phoebe aura le pouvoir de. Euh. Ouais, euh prémonition Ouais, ouais, ouais. C'est madame Soleil pour ceux qui connaissent. Voilà. Pour ceux qui savent pas ce qu'est une prémonition en gros, c'est la capacité de voir et d'acquérir des renseignements et des événements pouvant se pouvant provenir du passé, du présent et du futur. Futur très proche ou futur extrêmement éloigné. Ce pouvoir, aussi pourri soit-il, aura une évolution dans la saison 5 avec la prémonition astrale. Il ne s'agit pas d'une vision qui s'impose à Phoebe, comme les autres visions normales entre guillemets, mais au contraire une sorte de projection astrale dans la vision. Ça par contre c'est un petit peu plus cool. Mais ça reste un pouvoir super pourri par rapport à celui de Piper, il faut dire ce qui est. C'est ainsi que Phoebe a notamment pu avoir une conversation avec son devenir rien que par projection astrale dans l'avenir. Voilà. À partir de la saison 3, Phoebe aura un deuxième pouvoir, moins pourri celui-là, le pouvoir de lévitation. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est le pouvoir de légèrement voler. À quelques mètres. Voilà. C'est pas Superman. Enfin, Supergirl, c'est pas Supergirl, c'est. Mais ça marche. <laughs> Disons que c'est un peu cool. Surtout quand elle se met à tourner sur elle-même. Nous avons alors Paige, qui aura deux types de pouvoirs. Et on peut dire que elle, elle a au moins des trucs cool. Les pouvoirs de sorcière. Alors ceux-là, c'est vraiment les plus nazes. Avec la... Divination, qui consiste à avoir la capacité de prédire l'avenir grâce aux cartes de tarot, boules de cristal, feuilles de thé. Ouais. Peut mieux faire. Et l'éclipse télékinésique, aussi cool que ce nom qui puisse paraître, c'est pas si extraordinaire. Ça consiste à avoir la capacité à déplacer les objets par la pensée, en les téléportant. Voilà. Et enfin, les pouvoirs des êtres de lumière. Et ça, ils sont vraiment très très cool. Qui portent des jolis noms tels que l'éclipse. Non, non, pas du tout la même que tout à l'heure. C'est la capacité à se téléporter n'importe où, seul ou accompagné. La détection Ça c'est un nom à partir donc euh, de la saison 4, la capacité à connaître la position exacte de ses protégés. La dissimulation à partir de la saison 8, c'est la capacité à cacher la présence de ses protégés, du pouvoir de détection de ses poursuivants. Alors attention, celui-là, je crois que c'est celui qui pourrait permettre euh, aux êtres humains de mieux se comprendre, d'éviter les guerres, d'éviter beaucoup de choses. Donc globalement, je trouve que c'est un pouvoir qui serait utile. S'il y en a un que j'aimerais posséder, c'est bien celui-là. Et surtout, ça éviterait les cours d'anglais. Et les, les, les cours d'espagnol et tout ce que tu veux. Les cours Ça émettrait les cours et ça mettrait beaucoup de profs au chômage. C'est méchant pour les profs. L'omnilinguisme C'est cool À partir de la saison 7, c'est la capacité à parler et à comprendre toutes les langues de ses protégés. Peu importe le pays, ta langue est universelle, ma chérie. La guérison la capacité de guérir toutes les blessures de ses protégés. Ça, c'est cool aussi. Ça, c'est très, très cool comme pouvoir. J'adore. Le morphing. Et alors là, c'est l'un de mes préférés, celui-là. C'est la capacité à prendre l'apparence de qui elle souhaite. Ça, c'est super cool. Surtout pour faire des blagues, ça doit vraiment être juste génial. Le mec, il, il, il aimerait avoir ce pouvoir juste pour faire des blagues, tu vois. C'est juste énorme. Mais après, pour espionner aussi, c'est bien, donc... Euh, et enfin, donc, la petite dernière, enfin, la petite dernière, la première, mais je l'ai mis en dernier parce que, voilà, c'est moi qui décide. Et enfin, Prue, qui aura le pouvoir de la télékinésie, la capacité de déplacer les objets par la pensée. Puis, après la projection astrale, saison 2 et 3, la capacité de matérialiser sa conscience dans un corps solide, Enfin presque n'importe où en pouvant interagir avec le monde et pouvant utiliser les pouvoirs de base de la sorcellerie. Maintenant, parlons de ce qui est plus dans l'actualité. Il y a de cela quelques mois, on a annoncé un remake de Charmed. Ou un reboot, on ne sait pas trop. Mais je pense que c'est plus vers un remake. Avec de nouvelles actrices. Et un remake féministe. Ceci est une série féministe. Ça raconte quand même l'histoire de trois gonzesses qui bottent les culs, qui bottent, le, qui, qui bottent des culs à longueur de temps, à longueur de journée, à des êtres masculins. Si ça, c'est pas féministe, on a le personnage de Piper qui est quand même chef cuisinier dans un grand restaurant, puis elle devient euh, patronne, elle a sa propre boîte, on a Prue qui a quand même hein, une place importante, euh, qui est très haut gradé quand même, dans, enfin haut gradé, j'aime pas trop ce mot-là, mais voilà, qui, 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 a une, qui a une très bonne place dans son boulot, euh, on a euh, Page qui a quand même un boulot assez sympa, même si ça va pas durer très longtemps. Puis voilà quoi, bon, Philly, elle, c'est la, c'est la glandue du groupe, mais même un mec qui peut être glandue, donc je, je vois pas comment tu peux faire une série plus féministe. Je vois pas, c'est pas, c'est pas possible pour moi. Euh, D'ailleurs, même Holly Marie Combs a dit que c'était inutile. Voilà, elle a dit que ça ne servait à rien, mais malgré tout, de toute façon, le projet est en route, je crois même qu'il est en tournage en ce moment, donc euh, on verra ce que ça donnera. Je regarderai quand même pour avoir une idée, mais euh, je vois pas trop l'intérêt. Voilà. Pour moi, c'est un retour qui n'a aucun intérêt. Un petit peu comme si tu faisais le retour de Buffy contre le vampire, ça n'aurait aucun intérêt. La série s'est finie, la série s'est arrêtée, elle a eu une fin, une vraie fin, ce qui est assez rare. Finalement, on t'en fout, t'as pas besoin de fin. As pas besoin. La série Angel est une série qui mérite, qui aurait mérité une nouvelle saison, au moins pour une fin, une vraie fin. X-Files, même si j'ai pas trop apprécié, bah, méritait quand même son, son deuxième film. Et, euh, et sa saison 10, même s'il n'y a pas de vrai fin hein, encore. J'ai pas encore regardé la saison 11, donc euh, je ne peux pas dire. Mais euh, globalement, c'est un petit peu ça, donc... Il euh, n'y a aucun intérêt à faire revenir ce, cette série. Voilà. Faire un film. Voilà, faire un film, un téléfilm ou un film au cinéma qui raconterait ce qui se passe, je ne sais pas, euh, 10 ans plus tard, euh, 20 ans plus tard, pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Ou faire une série... Ça, ça aurait été très sympa, une série suite qui serait centrée sur les deux enfants de Piper. Et peut-être aussi sur les enfants de Phoebe et de Paige. Ça, ça aurait été bien. Ça aurait, ils auraient utilisé ça pour faire apparaître les anciennes actrices. Ça aurait fait une suite cohérente et très intéressante. Là, j'aurais dit ok, ça aurait été sympa. Mais sinon, il n'y a aucun intérêt vraiment aucun intérêt. Maintenant, on y va pour la partie Fun Fact Alors, pour la partie Fun Fact, j'ai pris euh, des notes. Voilà, parce que je ne me souviendrai pas de tout. Donc, pour la partie Fun Fact, j'ai pris des notes et je vais vous, donc vous les lire. Voilà. Mes notes, elles sont là. Alors, ce sont 15 points sur Charmed. Certains très intéressants, d'autres un peu moins. Premier point, il faut savoir que seuls 4 membres du casting auront participé aux épisodes anniversaires, c'est-à-dire le 50e, le centième et le 150e. Il y a Oli Marie Combs, Brian Cross, Alissa Milano et Julian McMahon. Numéro 2. Parmi tous les acteurs qui ont joué dans Charmed, Olivier Marie Combs est la seule qui a été présente du pilote qui n'a pas été diffusé jusqu'au dernier épisode. La seule. Troisième. Le rôle du père des Haliwell, attention là j'ai bien lire, euh, <laughs> n'était pas joué par le même acteur euh, dans la première saison et dans les saisons suivantes. En effet au début c'est... Euh, Anthony Denison, c'est ça, Anthony Denison, euh, qui euh, interprétait donc le, le rôle de Victor Bennett. Et euh, après, c'est euh, James Reed, qui est surtout connu pour avoir joué euh, aux côtés de Patrick Swayze dans Nord et Sud et Nord et Sud 2, et aussi Nord et Sud 3, euh, qui, euh, qui qui a repris donc le, le rôle. Quatre. Il faut noter que le magazine 415 ou Boss Phoebe, c'est le code postal de la ville de San Francisco. La série est en tournée à Los Angeles. D'ailleurs, si vous voulez voir le manoir Halliwell, je vous donne l'adresse. Le manoir Halliwell se situe au 1326 Carole Avenue à Los Angeles. Cinquième, Alyssa Milano est claustrophobe. Donc, il y a une clause dans son contrat euh, qui dit qu'elle ne doit en aucun cas être dans un endroit trop enfermé ou dans un endroit où il y a beaucoup trop de monde. Sachez qu'il existe deux exemplaires du livre des ombres, chacun pesant 6 kilos quand même. Ces deux exemplaires, il y en avait un qui était pour les consultations, et un autre, le livre des ombres, c'est ça. Voilà, c'est le grimoire. Euh, Il y en avait un qui était fait euh, donc pour les scènes d'action et l'autre pour les con scènes de consultation. Mais 6 kilos, c'est quand même une lourde portée. Hein. <laughs> Faut le dire. Septième euh, Shannon Doherty avait un contrat qui allait jusqu'à la saison 5. C'est l'une des histoires les plus connues. Euh, celle qui devait partir donc à la saison 3, c'était Alissa Milano, puisque son contrat arrivait à terme. Seulement, il y avait un problème, c'est que euh, Shannon de Harty voulait partir de la série. Et elle commençait à foutre un peu la merde. Et Alissa Milano aussi. Les deux, de toute façon, s'entendaient pas. Il y avait des disputes de plus en plus grosses. Et après la saison 2, Shannon de Harty, justement, a demandé à avoir une euh, une grosse augmentation de salaire qu'elle a obtenue. Et ce euh, qui, qui a mis extrêmement en colère Alissa Milano. Et donc ça s'est assez mal euh, terminé, on va dire. Voilà. Huitième, presque tous les épisodes de Charmed se terminent de la même manière, par une porte qui se ferme, souvent celle du manoir. Neuvième, alors, Brian, Coase, euh, Brian Cross, Carl Smith et Julian McMahon euh, avaient tous trois auditionné pour jouer le rôle de Andy Trudeau dans la saison 1. Ironie du sort, les trois joueront quand même dans la série. Dixième, en guise de cadeau d'adieu, les producteurs ont offert à Shannon Doherty de, Herty de euh, réaliser le dernier épisode où elle apparaît, donc le dernier épisode de la saison 3. Onzième, euh, l'actrice qui joue le rôle donc de la chef de Phoebe avait d'abord joué le rôle de la tante Jackie dans la saison 1. Voilà, c'est un, un petit truc. Euh, douzième, Shannon Doherty avait au départ auditionné pour le rôle de Piper et Holly Marie Combs avait auditionné pour le rôle de Prue. Mais étant donné que la production trouvait que les deux actrices allaient mieux avec les autres personnages, ils lui ont donné donc, le scénario euh, de Prue et l'autre le scénario de Piper. Elles ont accepté. Et voilà. 13. Petit clin d'œil dans la saison 2. L'épisode 13 se passe un vendredi 13. 14. Il faut savoir que c'est Oli Marie Combs qui a dit au producteur que. L en parlant justement de la dispute entre Shannon Doherty et Alyssa Milano, que l'une des deux devait partir. C'est ainsi que les scénaristes ont modifié le scénario de base. Et enfin, quinzième et dernier euh, fun fact, euh, pour le rôle de Paige, c'est donc Rose Van Goghman qui joue le, le personnage, mais il faut savoir que Elisa Dushku, qui joue le rôle de Faith dans Buffy contre les vampires, Jennifer Lovey-Witt, euh, Tiffany Amber jensen qui d'ailleurs... Dans Beverly Hills, avait euh, remplacé euh, Shannon Doherty. Voilà, c'est à signaler. <laughs> Déjà, pas dans le même rôle, ils avaient remplacé, mais elle jouait le, le rôle de la cousine. Voilà. Et même Charisma Carpenter, qui jouait le rôle de Cordelia dans Buffy Condoral Vampire et dans Angel, avait toutes les quatre auditionnées pour jouer le rôle de Paige Matthews. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Allez! Achau! Ah,